Faut-il ou pas boycotter la Coupe du Monde du football? Est-ce que ça a du sens de décider de regarder ou de ne pas regarder un match à la télévision? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire à la place? On va discuter de tout ça avec notre invité en studio. C'est Sarah Deliamchin qui est avec nous ce soir. C'est l'une des porte-paroles du collectif Pas Qatar ce soir. Bonjour Sarah Deliamchin, merci d'être avec nous. D'abord un tout petit mot, le collectif Pas Qatar ce soir. C'est quoi? C'est un ensemble d'associations qui ont décidé de se regrouper? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, c'est des associations culturelles, d'éducation permanente, des lieux de culture, comme par exemple des cinémas, mais aussi des mutualités comme Solidaris, qui ont décidé de se mettre ensemble pour proposer une alternative à la Coupe du Monde. Oui, une alternative à la Coupe du Monde. Ça veut dire que vous, ce soir, vous ne regarderez pas les Diables Rouges? Non, je ne regarderai pas les Diables Rouges. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tous les membres de Pas Qatar ce soir s'interdisent de regarder les Diables Rouges? Est-ce que vous jugez que ceux qui regardent les Diables Rouges ou d'autres matchs de cette Coupe du Monde commettent une faute ou, Alors, on n'est pas dans un jugement moral, on est juste dans un ras-le-bol de participer de près ou de loin à une machine capitaliste qui a provoqué de nombreux morts et qui détruit la planète. Donc, ceux qui regardent, ils regardent, mais en tout cas, on se donne le droit de créer une alternative et de rassembler des gens autour d'un projet et d'activités qui sont porteuses de sens en 2022. Ouais, le football, c'est du capitalisme? Le football, comme ça, c'est du capitalisme. Tout le football n'est pas du capitalisme. Et donc, on n'est pas du tout anti-foot, loin de là. Il y a d'ailleurs des gens dans Pas Qatar qui sont de vrais supporters. Mais force est de constater que les grandes compétitions internationales et même parfois les compétitions nationales sont secouées par des scandales depuis de nombreuses années. Et la place du sport, la place des supporters, aujourd'hui, elle est parfois secondaire par rapport aux enjeux économiques. Quelles sont les raisons pour vous de boycotter cette Coupe du Monde? Et quand on parle de boycott, on va faire la distinction entre le boycott sportif, c'est un peu trop tard, les équipes y sont déjà, le boycott politique, ça c'est peut-être encore en débat, il y a une ministre des Affaires étrangères pour la Belgique qui est en route pour le Qatar, qui a dû déjà arriver à l'heure où on se parle, et puis le boycott du supporter, le boycott du téléspectateur, c'est celui dont on parle ce soir. C'est tout sur le même plan, où vous auriez souhaité qu'on aille un petit peu plus loin dans le boycott politique, voire dans le boycott sportif, et les raisons c'est quoi? C'est l'environnement, c'est les droits de l'homme, c'est l'éthique sportive? Alors, le boycott sportif, c'est toujours compliqué parce que à partir du moment où les fédérations organisent des compétitions, faire porter sur une seule équipe ou une autre le fait de ne pas y aller, c'est évidemment compliqué pour les équipes. Donc vous comprenez que les Diables Rouges y soient? Si j'étais Diable Rouge, je n'y serais pas allé, mais je ne suis pas à leur place. Mon rôle est ailleurs, c'est de proposer certainement l'alternative. Le boycott politique, certainement, que j'estime que les autorités belges auraient dû s'abstenir d'y aller. Et la ministre a essayé de justifier en disant « j'y vais maintenant, parce que si j'y vais, si la Belgique gagne, ça pourrait montrer que comme la Belgique gagne, c'est moins grave ». Simplement, pour moi, on ne devrait pas se présenter à cette compétition. Même si elle y va en se disant porteuse d'un message clair sur les droits humains et qu'elle va pouvoir le porter dans des rendez-vous diplomatiques qui sont inscrits à l'agenda. Il aurait certainement fallu porter ce message clair plus tôt et avant la compétition, parce qu'en y allant, on cautionne quelque part le régime politique avec toutes ses dérives. Et alors, sur le boycott de supporters, moi, je pense que, quelque part, il a déjà lieu, parce qu'à la fois, les conditions, comment s'organise cette Coupe du Monde, le coût financier, environnemental, fait que beaucoup de gens n'iront certainement pas sur place. Oui. Et ici, en Belgique, je pense que beaucoup de supporters ont envie que le foot redevienne quelque chose qui réunit les gens. – Mais on peut avoir envie de ça, Sarah Deliamchin, et se dire quand même, j'ai quand même envie de regarder un match, d'abord parce que c'est un spectacle et qu'on peut y éprouver du plaisir, et puis ensuite parce qu'on est peut-être attaché à voir les performances de Lukaku, d'Eden Hazard, Vincent Witzel et les autres. C'est pour ça que nous, on veut malgré tout proposer une alternative. Parce que je pense que pour certaines personnes, ne pas regarder, c'est trop compliqué. Mais pour d'autres personnes, il y a quand même l'envie de se retrouver. Ça n'a pas de ne pas regarder. Qu'est-ce que ça change au final? Alors ça ne changera rien, peut-être sur les chiffres en tant que tels qu'on ne regarde pas. Mais je pense que c'est la première fois qu'il y a une Coupe du Monde pour laquelle il y a une polémique dans laquelle s'inscrivent une série de mouvements pour proposer une alternative. Parce que des polémiques sur des Coupes du Monde et des compétitions internationales, il y en a déjà. Quand c'était en Russie, en Argentine, etc. Même au Brésil, par rapport aux moyens qui ont été alloués. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette fois-ci, beaucoup d'acteurs associatifs, institutionnels et non des moins disent maintenant ça suffit, on ne va pas simplement priver les gens d'un moment social, convivial, agréable ou même sportif, on va proposer une alternative. Alors ça ne va rien changer en termes de chiffres et d'audimat, mais ça va changer de se dire qu'on réunit toute une série de personnes qui activement s'opposent et construisent l'alternative avec nous. Alors la proposition, si on va sur votre site Pas Qatar ce soir, on nous propose de signer un manifeste
et on nous propose des activités. D'abord, le manifeste dit quoi ? Le manifeste, il dit que la coupe est pleine, hein, si je peux me permettre l'expression. Le mondial de la honte, pour nous, c'est non. C'est le slogan qui est sur votre site internet. D'un point de vue climatique et humain, et on l'a vu encore ces dernières 48 heures par rapport aux droits, notamment des minorités sexuelles, je pense que participer à cette mascarade, ça va au-delà des valeurs qui sont portées par les associations. J'aimerais quand même rappeler que c'est 6500 ouvriers qui sont décédés, la plupart du temps morts de chaud. Le chiffre est discuté. Hein. Le chiffre est discuté. C'est un chiffre avancé par la presse anglaise, le Guardian. Tout à fait. Mais ce n'est pas de source officielle. Ce n'est pas de source officielle. La source officielle, c'est 38 morts. Alors, il y a quand même un énorme décalage entre les deux chiffres. Et c'est les chiffres qui ont été réceptionnés par les pays d'où venaient ces ouvriers. Et j'aimerais signaler qu'il pourrait même être plus élevé, ce chiffre, puisque certains pays n'ont pas communiqué les décès des ouvriers qui sont revenus dans leur pays. Il y a une polémique autour des brassards. Vous encourageriez Eden Hazard, capitaine des Diables Rouges, à porter ce brassard ce soir et à prendre un carton jaune ou pas ? Et évidemment, alors plutôt deux fois qu'une. Et même si le deuxième carton jaune, c'est l'exclusion, c'est le carton rouge. Oui, tout à fait. Mais là, de voir cette Fédération européenne de football plier et mettre un genou à terre, de nouveau, l'expression est belle, face à des menaces de carton jaune pour simplement porter un brassard sur lequel il est mis un mot porteur positif et des couleurs qui représentent un mouvement qui milite activement pour le droit des minorités. Ils font marche arrière parce qu'il y a des menaces derrière. Je trouve que ça envoie un message catastrophique en termes de démocratie. Rappelons aussi que le maillot des Diables Rouges a lui-même été interdit par la FIFA parce que de nouveau on y retrouve des couleurs et des messages porteurs de revendications par rapport aux communautés LGBTQIA+. Les Allemands qu'on a vus aujourd'hui qui mettent la main sur la bouche, devant la bouche, devant au moment de la photo officielle, c'est le genre de protestation que vous attendez des Diables Rouges ce soir ? Bah, je pense que mettre le brassard serait un acte bien plus courageux. À un moment donné, on est quand même dans un monde où on prône les droits humains et ne pas pouvoir porter un brassard, c'est quand même aller loin dans l'interdiction en termes d'expression. – Alors, vous proposez des alternatives à cette Coupe du Monde, c'est quoi ? Ce sont les activités culturelles, c'est l'idée de se rassembler, c'est de faire du sport autrement ?– Alors, d'une part, il y a des activités qui ont déjà lieu, pour lesquelles on essaie de les valoriser. Il faut savoir qu'après le Covid, les gens ont besoin de se réunir. On ne veut pas que ce soit un boycott triste où les gens restent chez eux, on veut que les gens se retrouvent. Donc, plein d'activités culturelles qui étaient déjà programmées pour essayer d'attirer les gens dans les théâtres et les cinémas. Et puis, il y a beaucoup d'associations qui ont développé de nouvelles activités, notamment des coupes du monde en jeux vidéo ou des coupes du monde avec des baby-foot. Mais aussi, ce week-end, pas plus tard ce week-end, il y avait un match de foot avec des sans-papiers qui était organisé à Bruxelles. Donc c'est l'occasion aussi de mettre en avant le sport comme un outil d'émancipation et de lutte, mais en dehors de toutes les dérives qu'on peut connaître au Qatar. Je suis allé sur votre site internet, Sarah Lachine, de Liamchine. J'ai vu beaucoup de manifestations organisées en province de Liège. Et donc, visiblement, les Liégeois, ils sont plus revendicatifs et plus mobilisés et plus opposés à la Coupe du Monde que les Bruxellois. Ou alors, je n'ai pas bien vu. L'initiative a commencé à Liège et vous savez comment sont les Liégeois. Ils sont très chauvins. Mais là, sur les quelques jours qui viennent de passer, il y a d'autres initiatives qui se mettent en place et on est en train de communiquer les uns avec les autres. À Bruxelles, donc, il y aura notamment des activités à Bruxelles. Ah oui, et il y a toute la Coupe du Monde alternative. Je pense qu'ils ont une page Facebook qui propose pas mal de choses, notamment une soirée ce soir au Café de la Maison du Peuple. Voilà, donc il n'y a pas qu'à Liège. Mais il faut aussi savoir que tout ça se met en place de manière quasiment bénévole. Et donc cette énergie-là qui sert à faire du sens dans une société où la dérive climatique et la dérive en matière de droits humains est quand même catastrophique, je trouve que c'est vraiment à mettre en avant. Dans les partenaires bruxellois, il y a le Théâtre des Riches Clairs, il y en a d'autres À Bruxelles, il y a notamment les mutualités et il y a des mouvements comme le PAC que je représente aussi aujourd'hui, qui sont des mouvements d'éducation permanente. C'est plutôt un mouvement politisé et plutôt à gauche, on peut dire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, à Bruxelles, une autre plateforme qui propose pas mal de choses est tout à fait porté par le parti écolo. Donc je pense que les partis se positionnent aussi, mais ils auraient dû le faire aussi en termes de représentation politique sur place. – Une dernière question, Sarah Bianchine. J'aime quand même le foot et j'aime quand même les Diables Rouges. Est-ce que je peux aller un soir dans une des activités que vous proposez et avoir été la veille devant mon écran de télé à regarder les Diables Rouges ou est-ce que… Ce serait incompatible. Alors, ce qui est bien, c'est que pas Qatar ce soir, c'est pas le Qatar. Donc, en fait, vous faites surtout ce que vous voulez. Et l'important, c'est de venir quand même trinquer une fois avec nous et de pouvoir débattre sur pourquoi il y a des jours où vous regardez, pourquoi vous ne regardez pas. Mais nous, on n'est pas là pour interdire aux gens. On est là pour proposer un autre projet de société. Merci, Sarah de Liamchine. Sarah de Liamchine, donc l'une des porte-parole de cette opération qui s'appelle pas Qatar ce soir.